lendemain, j'en nous dis, mesdames, messieurs, il y a plusieurs bandits et nèg barbecue qui tombent là. Moi, connais nous toujours les vidéos, nous toujours envie tant des sons. Eh bien, cette fois-ci, nous avons une vidéo pour vous. Et puis, sincèrement, nous-mêmes, nous avons posé nos questions. Monsieur Sayo, nèg Sayo, pour qui raison y a goumé là? Parce qu'on va regarder, c'est des jeunes garçons qui étaient capables d'utiliser le pays, qui a mal mouru inutilement. Et la police nationale d'Haïti qui eux-mêmes yo a travaillé sérieusement là et bien puis ils ont démantelé groupe gang et bien ça qui lui-même qui a bail en pile problème dans zone Delma et bien et chez Salsa yo côté que eux-mêmes yo fait partie de base barbecue et bien la police a refusé yo dans moment opération qu'a faite au niveau de bas Delma et bien la police récupéré zame qui était dans main et bien bandi ça yo dans jour là yo et bien barbecue lui-même il pourrait le montrer et bien live et côté que il pourrait le monter live pour le dire c'est mécanicien ou bien boss maçon etc. Et bien, en tous les cas, et bien, moment ça y est, la police fait un pile Tibet, et bien, bon, on a, et bien, au niveau de vivre ensemble, mais vivre ensemble, et bien, qui y a un pile bandit qui arrivait mourir, et bien, donc, et c'est monsieur, et bien, et Utagio, qui au même, qui arrivait mettre, et bien, en pile bagage, mais pour le boucanéen, et bien, Zoulou fait, et bien, mes amis, parce que y a un pile bandit qui arrivait mourir, côté que, si on a regardé la vidéo pour nous, et bien, après, monsieur ça y est, et bien, il est arrivé physio, et bien, son série des jeunes garçons, dit, mais, il est capable d'utiliser la communauté actuelle. Et bien, malgré que, et bien, yo tende qui sa kapet la, et bien, ça va empêcher que vous-même, y a bataille ensemble avec l'État. L'État lui-même lui mette en pile gaz lacrymogène, et bien, en pile citoyen au niveau de zone, et bien, et zone et métropolitaine, et bien, yo mande avec la police pour les avocats continuer, et bien, côté que même propriétaire caillou, yo dit, yo met crasé caillou parce que c'est dans caillou ça, monsieur, même, yo caché, et bien, après arriver parce que vous-même, y a bien chance, yo capable de retourner la caillou. On allait directement, dîner, et bien, pour nous capable de montrer mon yo, comment, et bien, situation. Sont les mêmes présentés côté que grand pile bandit et bien Utag mettez de à terre. Voilà, bon, écoute, Napoléon est avec nous. Image ça auprès d'elle, mesdames, messieurs, image vraiment horrible. Image vraiment horrible, horrible, horrible. Nous pas en mesure pour nous montrer image ça sur écran. Nous connaissons que YouTube pas bail monde accès pour ta montrer image ça, mais j'en ai toujours fait. Ou même qui t'a vu déjà et est-ce que dans channel mon a fait bon TV WhatsApp là et puis et très bientôt Telegram non ça veut dire que image ça ou capable voyo parce que me connais que nous sommes peuple qui extrêmement visuel nous toujours en yo et bandi ça ou cap tomber et derrière n'a salué plusieurs autres amis qui déjà sous plusieurs groupes WhatsApp mon a fait bon TV genre que nous toujours dit mais évidemment et il y a plusieurs qui tombé là et monsieur moi dis nous cherchons l'autre bagarre pour nous faire parce que dans niveau nous la police a travaillé là la police pas vienne jouer donner au changer mesdames Jean que nous entendons la récréation en fini donc ou même qui sont jeunes garçons m'pas croire que ou quitter barbecue quitter tilapli ou quitter iso à bon l'argent soi-disant à bon payroll et chaque soi-disant chaque semaine chaque deux semaines monsieur vie nous vaut plus que ça vie nous vaut plus que ça je nous dis ou même qui peut-être et pas un gros bandit dans niveau nèg sa yo et bien pas quitter monsieur sa yo à manipuler li pas trop tard pour votre tête nous il va tout tard pour nous prendre prison parce que sincèrement monsieur et Jean-Noël Bandi a tombé là mesdames messieurs et bien Bandi tombé plus mal que graine la pluie évidemment et Jean nous dit pour qu'on y a là image ça yo et nous quand même désolé de pas ca montrer de pas ca montrer image yo nous capable faire mon autant de son par contre nous capable faire autant de son mais image yo trop horrible et sur écran Jean nous toujours dit même mourir nèg mourir led ça veut dire que ou même qui sont jeunes garçons pour que raison a perdu vous là pour gang vivre ensemble. Pour qui raison ou a perdu vous là, hein? Pour qui vous a coûté nécessaire ou qu'a manipulé, qu'a fait tintin? Eh bien, monsieur, il n'y a pas de temps trop tard. Pour peut-être tout, si c'est prison à prendre prison, avant que, eh bien, ou faire route cimetière, parce que je dis à la pas l'autre choix. C'est soit déposer des amenants, ou soit mourir, pas de l'autre choix, monsieur. Jean nous dit, le bagage est grave, en pile bandit a tombé là, et en tout cas, et sous groupe WhatsApp et mon affaire bon TV image ou capable de garder là dans moment ça et Bradel mais j'en nous dit nous pas camouter le sur écran qui dommage parce que YouTube pas bail accès pour mon ta garder vieille image ça yo et en tout cas c'est grave en pile mandiap tomber là et n'a salue une fois de plus bon côté la police l'armée d'Haïti monsieur nous ouais que sous leadership et Normil Rameau nous ouais monsieur vous les réveiller là m'content parce que nous t'ai toujours dit qui ça gagne là pour 10 petits bandits, 15 petits grands bandits, a fait nous demander aide à la communauté internationale pour que ces pays étrangers qui viennent une bonne aide pour nous éliminer à peu près 400, 500 grands bandits, pour nous demander pour une force à Haïti, une préoccupation pour à peu près pour vieux iso, pour vieux tilapli, pour vieux bandits. Monsieur, ça fait l'aide en pile. Retrouvez fierté nous, je nous dis, l'important que bandits ça a tombé, bandits ça a arrêté, et puis etc. Mais bref, pour qu'on y a nous sur bonne voie, mais
gros taux yo pour tomber malheureusement et nous espérons que en pile là-dedans a tomber ou pour pas dire déposer ça. Question vivre ensemble ça n'a parlé là, question barbecue spécialement. Ouais me dit publiquement c'est on a une piraille monsieur et si l'a attendé là pour le connaître c'est moi qui dis ça même. Raison qui fait que me pas ca ouais monsieur, moi son menteur fini. Comme c'est et m'a dit m'a répété pour me ta gain vim. M'étais un policier, un ancien policier. Ou soit disant Pierre Sans gâcher vim dans état ça. Ou gain zam nan mon pour quitter Pierre Sans à bêtiser la population comme ça. Pierre Sans impliqué directement dans l'envoi président Jovenel. Jodi a là, pas été grand chose pour barbecue soit mourir soit prendre prison pour Pierre Sans dans figure moun on toujours. C'est une raison dit nous monsieur. Personnellement, individu ça, ça va faire ni chaud ni fret que arrêter qu'elle mourir. Parce que sincèrement, monsieur, ils sont lâches. Monsieur, c'est une pigou lâche qui existait comme gang. Pigou lâche qui existait. Parce que on est capable de gagner toutes les armes ça au pour Pierre Sans à bêtiser, à craser, faire faux rapport sur population, sur timalereuse, ou là on regarde Pierre Sans dans les yeux, ou là on tête avec Pierre Sans. Juste pour ça, personnellement, au-delà de toute notre bagaille, ouais, monsieur, même non le bagarre attendez. Parce que sincèrement, je sens que ça n'a pas d'adieu fait. Ou pas qu'à faire une justice, pendant qu'à faire justice, ou des âmes qui peuvent faire kidnapping sous malheureux. Sous malheureux, pendant ce temps, Pierre Sans, ou à jouer avec lui, ou à boire avec lui, ou à fumer avec lui. Il est envisagé de transformer Force Multinationale en opération traditionnelle pour la paix des Nations Unies. Et bien, d'après Comprenons, Luxon Saint-Ville, qui est journaliste, et bien, d'après sa ressource qui pose ce dossier, a dit, Miami Herald, c'est le département d'État américain qui a fait face à un problème de financement, à équipement, à réfléchir sous possibilité pour transformer Mission Kenya, à diriger et a déjà et bien, informé parlementaires américains de l'intention. Ils ont responsable dans le Conseil de sécurité nationale, la Maison-Blanche confirmé, médias américains. Il y a petit déploiement ça et bien pour capable modifier et bien natif force là en Haïti et bien après appelé et bien dans cadre d'une mission la paix Nations Unies et bien faut conseil de sécurité a approuvé de ça et Jimmy parce que c'est bah là-bas une force mille et la paix encore non côté que c'est force la paix côté que il y a même le rappel c'est parce que même j'avais que et bien les missions ministre et bien les l'autre mission qu'on bain et bien c'est ça que même envisagé et pour faire et ça Salomon parce que Salomon on est en pile détail tout et bien dans cadre dossier ça pendant ce temps que n'a parlé là et bien la police elle continue à travailler sérieusement là et bien pour même il est capable pour appeler et groupe gang qui eux même qui a terrorisé et population et bien et Salomon. Bon, et là encore, Pradel, et nous, on a eu forcé dans nos bagages, qui ont même pas eu ça. On a eu forcé et fait valoir nos bagages. Par exemple, c'est pour marcher pour les États-Unis. Par rapport avec, pour qu'il y ait un pays, pendant que M. Trump fait marcher pour les États-Unis, pas de jambes, il y a des préparations qui sont faites pour eux. Nous, on a entendu, il y a des problèmes financiers. On a, il y a changé, non. On a yo pas là, il y a changé non. Ça veut dire qui ça? Monsieur yo, que ça pas piqué volé par rapport avec dossier ça et je dis ouais comment dans les îles. Ouais go et d'abord le département d'État Miami Herald quand fait face à un problème financement à équipement et mais il y a réfléchi possibilité pour transformer mission nationale à budget et yo déjà informé parlementaire américain yo et mais des intentions yo. Ils sont responsables dans le Conseil de sécurité nationale, la maison. De quoi, ils sont capables de faire et confirmer l'Américain a fait des plans pour modifier les natifs pour cela et après les NACAD, ils ont mis sur la paix dans la zone. De vous dire, ils ont mis sur la paix, soit dans les Atoudimis, que ce bataille contre gagnant, ça va être l'autre forme. Ou va une amnistie, ou va une réinsertion sociale, ou va une réponse de Viola, ou va une opération qui a mené, je vais même dire encore. Parce que dans le cadre, mission et la mission la paix. Maintenant, l'autre est la paix. Là, on va parler de l'autre. Je vais parler de la paix. La paix a dit, c'est venu des artistes américains là, débarqués en Haïti. Je vais venir faire Espagne, la France, et qui pour moi, il dit non, pas de permettre de venir dans le cadre de la paix. Faire critère de venir dans le cadre de la paix. Soit dans la tour pour commencer. Et ouais, comment mettre on calme en dehors de tout. Débutant de question, et pour les États-Unis, son passe se trouve un appui. Et bien, va dire non, c'est les États-Unis qui ont forcé Kenya Vina. Sans appui, les Nations Unies, les Nations Unies, c'est eux-mêmes qui te disent, c'est comme le Colombien. Et Angleterre, c'est comme le Colombien. Canada, c'est comme le Colombien. Ils ont été menacés. Et jusqu'à présent, il y a un problème, il y a un problème de financement avec équipement. Ça veut dire qu'ils ont menti,
bay menti, propose États-Unis bay 200 millions, Canada bay 80 millions, la France bay 100 millions, Terre bay 100 millions, à partir de demain. Nous tellement naïfs. L'homme dit non, pas quoi nous bagaille ça. Ça c'est menti, nous est-ce qu'on bay la bla, ça le monde supporte gang, ça le monde c'est gang. Mais, je dis, mais qu'on a bay la vie dans nous. L'homme bay nous vérité, y'a dit non, pas quoi nous bay la ça yo. Yo habite avec nous ça déjà. Yo fait des déjà 2014. Yo fait en 2004. Moi, aller dans tes avec nous. Moi, aller histoire de 1912 à 1915 pour montrer nous en clair comment les États-Unis mettent dame. Bon, au lieu de ça, c'est moi nous qui avons besoin de la idée comme quoi nous avons menti avec nous. Et bien, Amérique, on va mentir. Par exemple, mais où je mets dans la paix? Yo très diplomate. Abdié, dans le moment du mien, c'est moi qui fais des troupes qui n'ont pas de problème. Troupes sont en bonne position, même les propres élections. Mais négocier avec Biden, pas de espoir encore. Négocier pour marcher pressé pour que l'élection, et bien novembre 2024, là, 2024, à Paris de Proyo, c'est que le président va entrer là, malgré vous préparer pour Postine. Et pour Postine là, et bien vite fait, c'est là, sans être obligé d'abandonner, ou alors vous parlez de 2600, et bien, militaires, anti-politiques à ce moment là, jusqu'à maintenant, j'ai 400. J'ai 400 et qui sont disponibles. Dans 2600, j'ai 400 qui sont disponibles. Quand il y a 2600, yo, pour les moyens pour pas rentrer. Et jusqu'à présent, il y a pas nous mentir, il y a tellement pas nous mentir qu'on a, autant de, il y a signé nos forces, qui sont forces multinationales, qui sont pour une rétablie sécurité, il faut les changer, qui sont en mission pour la paix. Et là, maintenant, je dis, moi-même, je suis sous l'épaule, l'homme parle de moi ici, on ne s'en m'a dit. Et je dis, je vais croire que le monde est intérêt dans la gang. Parce que gang, il va tout le monde mal. Gang, il va toute société à fort. Et je dis, je pense que si vous m'avez fait, c'est un bataille pour déraciner les gagnants. Maintenant, si moi c'est menti à Banou, si moi négocié avec Paris Brigade, je dois c'est vrai, n'a pas monté des PVC. Dis-moi, est-ce qu'on connaît? Il y a des médias, je dis à là, qui t'a fait lobby pour Kenya, qui a fait le Burkina Tourné? Il y a des médias qui ont dit, vive Kenya, bah au Kenya, on a fait le Burkina Tourné à la Kayo. Il y a des médias, parce que je développe une association, il y a fait jouer l'Occident, il y a fait jouer les États-Unis, et puis il y a fait, il y a dit, qu'on a mis, au lieu que, il permet le peuple à comprendre. Soit, il a dit non, non, ça nous est là, ça nous est là tellement difficile, mon cher, c'est pour que nous baiser, ça nous est là, nous baiser la caille, nous, nous allons connaître. Mais nous ne allons jamais connaître qu'est-ce que nous avons avec nous. Là, on dit non, on ne peut pas parler, nous disons qu'il va bien. Moi, je dis non, nous disons non, gang. Nous disons qu'il va parler avec nous, nous disons, eh, il y a des questions de gang. Tout ce qu'on fait, pour nous aider à nous comprendre, je dis à la situation tout ça, mais où est-ce qu'on a là, où est-ce qu'on a passé de notre tête, il y a un problème de financement. Pour l'équipement, il y a gardé pour être en mission, en mission onusienne. Elle dit, mission onusienne, on va essayer le phase, pour être capable de moi. Elle dit, on continue à passer notre tête, on continue à passer notre visite, pendant que Israël là, on a dépensé des milliards de dollars pour Israël tuer environ 40 000 combien de monde dans Gaza, 14 000 monde blessés, ça va étonner. On va écrire un exemple, là, contre-carré la Russie, avec bon blindé, mais nous-mêmes, de continuer à passer notre tête. Mais nous, maintenant, continuer la bataille, Jimmy. Nous continuer à parler de vérité. Nous continuer à dire ça que nous sommes censés. Pays, nous ne pas quitter. Et mais étrangers, nous ne pas quitter les nègres qui ont pris le micro, qui ont fait opinion passée, qui ont fait mon coin, à lapider nous-mêmes comme vérité. Nous continuer à parler. Et je dis, vous avez des journalistes qui commencent à faire retrait, parce que là, vous avez des gens qui mon cher, ça vient là, on nous coin, dans un pas de ça, on nous coin dans la police. Je dis, Jimmy, pour une chose, nous sommes là, c'est la police. Et pas de la population haïtienne pour un mariage, pour une côté carré, gang avec, pour une côté carré, gang à sa part, pour une côté carré, gang international là, pour nous comment on a rebâti, reconstruit Haïti. Parce que, dis-moi, en gagne sa gueule à vous, Salvador là, je t'ai dit 10 000 gangs, c'est pas étranger, non, qui vient là, qui a arrêté. C'est pas étranger, non, qui vient là. C'est pas étranger, non, qui vient là, qui gère et qui sont et gagne là. C'est pas étranger qui gère et gagne là, Salvador, non. La Brésil, favela, c'est pas étrange que le favela, son, et pas quoi, gang de Salvador, il nous a ici là. Fait donne 10 000 gangs, si les drogues, pour ça nommer eux. Et ouais, n'aïe, nous, il va y avoir des problèmes, non? Brésil, là, qui est le favela, ça pas de problème. Nous l'avons vu, il va y avoir des problèmes, il demande des forces étrangères. Pourquoi, ton pas sauver un monde qui n'est pas capable, ils ont affaibli la police, hein? On a moins dit, bah, police, c'est comme ça, là. Là, mais comme ça, là, Jimmy. Hein? Jim, comment vous pouvez vous faire une formation? Pas une formation de formation, non? C'est même police qui a fait bien la campagne d'Italie. C'est même l'armée. Nous allons utiliser la campagne d'Italie. L'homme dit nous, il est capable. Et moi, il a besoin de matériel, il a besoin. L'homme dit nous ça. Nous disons non, mon chien, il n'est pas capable. Moi, je dis non, c'est la bonne. Donc, résultat qui a fait là. Résultat qui a fait là.
c'est pas augmentation, c'est pas augmenter puis effectivement augmenter. La meilleure campagne de là, c'est pas des millions qui devraient aller aux États-Unis. C'est même qui veut que soit Ariel là, c'est même policier qui le soit Ariel. Et malgré ça, effectivement diminué sous Ariel avant Biden, c'est plus policier. Il y a moins de policiers là et on a bel résultat. Et on a un peuple en bataille avec un gagnant. Il y a un peuple livré. Mais on bataille sans merci. Je dis, qu'est-ce que je dis? Nous avons quoi déjà? Ça va parler de l'homme comme et je dis, même tout le temps. Et bien, là encore, nous avons des vraies autorités. Nous avons des vrais DGPNH. Nous avons un bon lieutenant dans cette armée. Et nous avons un bon premier ministre, un bon président. Et puis, la diaspora, et puis, le peuple haïtien, nous avons campé d'elle. Et puis, Haïti a avancé. Les Américains, pour qu'on suspende vos examens, avec munition by gang, nous considérons responsabilité, et bien, Américain, et bien, non. Établi système d'exploitation et qui vient là, et puis régime PHTK américain a acolyte imposé peuple haïtien depuis l'année 2011 et que les sautis journée aujourd'hui, et bien pour continuer à imposer l'île. Et bien notre capra pour suivre Vladimir, nous considérons nécessité pour tout haïtien, haïtienne correcte, patriote, de porter contribution par eux dans la bataille pour construire l'État et haïtien grand monde et puis chavier système pays sociaux. Mais nous considérons nécessité pour toute organisation progressiste, vous menant tête collée pour empêcher Américains renouveler le régime PHTK et puis continuer à ingérence là. Mais nous considérons résultat négatif à catastrophe, plusieurs visites quelques officiels américains habitués dans le pays d'Haïti, eh bien, nous pas qu'à empêcher nous poser eh bien, question si là, yo. Qui ça, Anthony Blinken a bien réglé vraiment à travers visite si là dans le pays d'Haïti? Est-ce que Anthony Blinken n'a pas paraître, eh bien, comme quoi dire, yon chef, eh bien, qui a débarqué dans une colonie pour venir faire si bien dans la colonie? Est-ce que c'est l'autre Anthony Blinken a bien dirigé Haïti directement ou c'est discuter la bien discuter avec yo? Eh bien, pour bien comprendre la situation, crise américaine et défabriquée dans le pays d'Haïti. Après tout déblosage américain fait dans le pays d'Haïti, est-ce que visite cela a eu l'occasion pour Anthony Blinken venir avouer responsabilité américaine dans la situation, massifié Haïti trouvé là, et puis prendre engagement public pour américain suspendre vos examens avec munitions by gang yo pour peuple haïtien capable d'aller en souffre. Net à bravo sur Jimmy sur notre long empire, vous dites que même c'est. Bastien avec José Mérilien qui même qui a parlé et même parce que je vous dis là et bien et si nous font résumer nous voyons que et bien même Mounzaio et qui était à prendre des rails là et bien pour que et bien ils n'ont pas voué Jovenel aller et bien je dis là et bien maintenant qui ça nous est là nous par contre nous qui les problèmes que nous mêmes nous est là et bien au niveau de et pays d'Haïti. Monsieur, pendant ce temps, on tout touché Daniel Foot. Daniel Foot, il y a énormément même anglais, mesdames, messieurs. Nous connaissons Daniel Foot. Il dit que justement, tout autant Haïti, Jean, il est là. Et tout autant les États-Unis a fait ingérence dans le dossier Haïti. Haïti a toujours Jean, il est là. Et je pense que nous sommes capables de prendre ça également près d'elle. Oui, et on a avancé. Et bien, on connaît que au niveau de Daniel Foot, j'ai pu te dire, il est toujours parlé. On connaît que Daniel Foot, il est toujours, et bien, et montrer que l'IMD, c'est bon, peuple haïtien, et Jimmy. Et parce que ou bien déclaration que Daniel Foot même lui est à parler côté que lui-même lui toujours et bien campé en face américain pareil côté que lui-même lui toujours à parler de ingérence que lui-même a pas besoin pour capable de faire et au niveau de pays d'Haïti. Il est temps de revenir à Dieu et je crois que c'est absolument la vérité. Mais je n'imagine pas vraiment que les païens ou les impies doivent changer, cela doit commencer dans le cœur de ceux d'entre nous qui remplissent les églises ou s'imaginent être des disciples du Christ. Il est temps de revenir à Dieu. Eh bien, nous ne sommes pas la première génération à être confrontés à ce défi. En fait, il est présent dans toute l'Écriture. À de multiples reprises, Dieu supplie son peuple de revenir à lui, et je crois que les secousses que nous traversons, des interruptions des chaînes d'approvisionnement au défi du virus Covid, et tout ce qui se trouve entre les deux, c'est Dieu qui nous secoue, en nous disant de tourner votre attention vers moi d'une nouvelle manière. Répondons à lui. Prenez votre Bible et un bloc-notes, mais surtout, écoutons les invitations de l'Esprit de Dieu. Je crois que Dieu a appelé cette nation à l'existence. Je ne crois pas que cela soit le résultat de décisions humaines. Je crois que Dieu Tout-Puissant nous a appelés à l'existence. Je sais que ce n'est pas à la mode en ce moment d'être patriote, mais je le suis. Je sais que c'est plus chic d'être un mondialiste, mais je ne le suis pas. Mais bon, on ne m'a jamais accusé d'être à la mode ou chic,
donc ça me va. Ce que je veux faire, c'est comprendre le cœur de Dieu. Je ne veux pas cultiver une sorte de nationalisme grossier et chauvin qui imagine que l'Amérique remplace tout le reste. Je vous ai dit ou rappelé que nous avons tous une double nationalité. Vous avez la citoyenneté d'un État-nation sur la planète Terre, la plupart d'entre nous sommes citoyens des États-Unis, je pense, mais vous avez aussi une citoyenneté spirituelle, soit du royaume des ténèbres, soit du royaume de Dieu. Votre citoyenneté terrestre, liée à un État-nation, est temporaire. Vous avez un visa temporaire. Vous avez un laissez-passer de visiteur. La Bible nous décrit comme des étrangers et des étrangers ici, des pèlerins en séjour temporaire. Et l'encouragement, le conseil de l'Écriture est de ne pas s'engager à fond dans le temporaire au point d'oublier la perspective du royaume éternel auquel nous appartenons. Nous avons tous un passeport qui nous identifie à un État-nation, et cela implique des droits, des privilèges et des responsabilités. Et je crois que quelle que soit la nation dont vous êtes issu, vous avez la responsabilité de prier et d'être une lumière dans cet endroit. J'ai eu une conversation aujourd'hui avec un monsieur du Congo, et il a un fardeau sur son cœur pour le peuple du Congo, afin qu'ils connaissent Jésus et les bénédictions qu'il apporte à leur vie. Il avait une clarté totale sur le fait que la seule chose qui apporterait un avenir meilleur à cette nation était Jésus. Je prie que les citoyens de cette nation aient la même conscience que la seule chose qui nous apportera un avenir meilleur est Jésus. Ce n'est pas en fin de compte une bataille politique, ou une bataille idéologique, ou une question de parti, ou d'individu, ou de congrès, ou de cour suprême, ou de gouverneur, ou de maire, c'est une décision spirituelle. Ma première question est donc de savoir à quel royaume éternel vous appartenez-vous? C'est bien plus important que votre nationalité. Ne soyez pas un chrétien à trait d'union. Ne mettez rien devant votre identification avec le Christ. Mon Nouveau Testament dit qu'en Christ nous ne sommes ni homme ni femme, ni esclave ni libre, ni juif ni grec. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de nationalité, nous sommes d'abord et avant tout des disciples du Christ. Donc, soit vous êtes consciemment, par décision, un disciple du Christ, c'est-à-dire que vous avez reconnu Jésus de Nazareth comme le Messie et que vous l'avez accepté comme Seigneur de votre vie et que vous le servez de cette manière, soit par défaut, si vous ne l'avez pas fait intentionnellement, par défaut, vous participez au royaume des ténèbres, c'est dans ce royaume que vous êtes né. Et il n'y a aucun moyen de ne pas rejoindre le royaume de Dieu comme vous rejoignez un club. Ce n'est pas en rejoignant une église et en obtenant une carte de membre ou en suivant un cours et en remplissant les conditions. C'est un choix personnel, et il n'est pas basé sur la perfection. Dieu a pourvu à toutes nos insuffisances, à tous nos échecs et à toutes nos impiétés, afin que nous puissions participer à son royaume. C'est une expression de la grâce. Mais cela étant dit, je crois que nous avons la responsabilité d'être sel et lumière envers les nations où Dieu nous a implantés. Cela n'a aucun sens pour moi d'imaginer que vous allez être missionnaire ailleurs tant que vous n'aurez pas été missionnaire auprès des gens de l'autre côté de votre clôture. En fait, je ne suis vraiment pas intéressé à parrainer votre intérêt pour les missions tant que je n'aurai pas découvert que vous avez été un défenseur très efficace de Jésus dans le quartier où vous vivez. J'ai suffisamment voyagé pour savoir qu'il est beaucoup plus facile d'être audacieux pour Jésus dans un endroit où l'on ne parle pas la langue. Car je peux y rester une semaine, je peux y rester un mois, mais à un moment donné, je prends un avion et je repars. Mais honorer Jésus dans un endroit où vous vivez avec des gens semaine après semaine, mois après mois, année après année est un plus grand défi. Ils vous ont vu donner un coup de pied au chien dans le jardin, ou toute autre expression d'impiété que vous préférez. Si vous aimez les chiens, pardonnez-moi. Mon père était vétérinaire, nous considérions que c'était une victoire de donner un coup de pied au chien, alors peu importe. Je crois que nous avons la responsabilité de prier pour notre nation. Et en tant qu'étudiant en histoire, je peux vous dire une chose, c'est tout simplement un fait incontournable que l'histoire de notre nation est indissociable de la foi chrétienne. Nous avons des versets de l'Écriture gravés dans nos bâtiments et monuments les plus célèbres dans tout notre pays. Notre système juridique, notre système éducatif, les principes sur lesquels nos entreprises ont fonctionné, les choses qui nous ont apporté les bénédictions de Dieu ne sont pas nos ressources naturelles, ni notre industrie, ni une ethnie particulière, car nous sommes un melting pot, nous venons de toutes les nations du monde. C'est cette foi, cette vision du monde qui nous a maintenus ensemble. Nos premières universités,
nos universités les plus célèbres, ont été fondées comme des institutions de formation pour les ministres chrétiens. Encore une fois, cela fait très clairement partie de notre histoire. Ceux qui ont fondé notre nation étaient des disciples du Christ. Ce n'est pas une histoire parfaite, mais aucun groupe de personnes n'a une histoire parfaite, et je trouve inacceptable que la foi chrétienne et l'héritage chrétien de notre nation soient diminués, critiqués ou dépréciés parce que nous n'avons pas été des gens parfaits. Nous n'avons pas cette attitude envers les autres peuples. Nous n'avons pas cette attitude envers aucun groupe de personnes que vous imaginez, nous célébrons leur droit de pratiquer leur culte comme ils le souhaitent, et nous ne lions pas les résultats de leur foi choisie aux résultats de leur vie, nous respectons simplement leur droit de pratiquer leur culte comme ils le souhaitent. Je suis offensé par ceux qui regardent la foi chrétienne et commencent à la déchirer et à la diminuer parce que nous avons des chapitres qui sont moins que brillants. C'est vrai, mais c'est à nous de traiter cela, pas à des étrangers qui attaquent notre foi. Et je veux dire aux chrétiens d'arrêter de s'excuser parce que vous êtes un disciple du Christ. Si vous aimez jouer au baseball, vous ne vous excusez pas parce que les Astros de Houston étaient des tricheurs, vous aimez juste le baseball. Et nous nous excusons depuis assez longtemps. Nous avons des défauts et des faiblesses, nous les reconnaîtrons et les admettrons, mais cela ne diminue pas l'engagement que nous avons envers Jésus ou la reconnaissance que notre foi a apportée à notre nation, mais c'est notre mission de veiller à ce que cet héritage se perpétue. Il ne faut pas longtemps pour perdre une vision du monde. En fait, dans cette session, je veux vous parler de l'Amérique qui revient à Dieu, parce que nous ne sommes pas proches de lui. Nous ne sommes même pas dans le même quartier. Je ne pense pas que nous soyons dans le fuseau horaire. Nous devons revenir à Dieu. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas le premier groupe de personnes à errer. Nous ne sommes pas la première génération à perdre notre concentration. En fait, il est clair dans les Écritures qu'à partir du moment où Dieu a commencé à développer un peuple pour lui-même, qu'il a compris la nature humaine, nous ne serons pas capables de tenir le cap. Il faudrait prendre des dispositions pour que nous retournions à lui. Je vous ai apporté quelques exemples. Néhémie chapitre 1. J'ai choisi cela, nous aurions pu commencer par Deutéronome, mais la liste aurait été trop longue. Eh bien, je ne pensais pas que vous voudriez rester aussi tard. C'est Néhémie, vous vous souvenez que Néhémie est les chansons du roi de Perse? L'exil a donc eu lieu, les enfants d'Israël sont déjà arrivés en terre promise, ils y ont vécu pendant des centaines d'années, ils ont perdu leur place à cause de leur infidélité. Ils veulent retourner dans leur pays, mais le retour dans leur pays est la composante secondaire qui découle du retour à Dieu. Voyez, si nous revenons à Dieu en tant qu'Église dans cette nation, nous verrons les bénédictions de Dieu revenir. Néhémie 1 verset 8, souviens-toi de l'ordre que tu as donné à ton serviteur Moïse, en disant, si tu es infidèle, je te disperserai parmi les nations, mais si tu reviens à moi et si tu gardes mes commandements, alors même si ton peuple exilé est à l'horizon le plus lointain, je le rassemblerai de là et je le ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Dans ce cas particulier, il est vrai que Néhémie rappelle à Dieu sa promesse de ramener les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à un endroit sur la planète Terre. Mais le principe reste valable pour retourner au service de Dieu, car leur droit de demeurer sur cette terre, cette part d'héritage promise, était lié à leur condition spirituelle. La raison pour laquelle ils ont perdu leur place dans ce pays était la condition de leur cœur. Encore une fois, la raison pour laquelle nous avons été bénis a plus à voir avec la condition de notre cœur qu'avec nos ressources naturelles, et si le peuple de Dieu prête attention à notre cœur, nous verrons des changements dans nos écoles, dans la façon dont nous traitons les uns les autres, dans la paix avec laquelle nous pouvons vivre ensemble dans le respect et la dignité que nous nous donnerons les uns aux autres. Prenons juste une minute pour regarder ce que dit l'Écriture à propos de ce refus de suivre Dieu. Cela ne surprend pas Dieu. Vous savez, il y a longtemps, j'ai passé beaucoup de temps avec des chevaux, et on apprend à connaître leur caractère et leur attitude, et c'est assez prévisible. On peut dire leur attitude par leur langage corporel, ce qu'ils font avec leurs oreilles, vous savez, comment ils bougent. Vous pouvez dire s'ils sont de bonne ou de mauvaise humeur, s'il est prudent d'être dans l'espace avec eux ou s'il faut être un peu plus prudent, et c'est prévisible. C'est prévisible à l'heure du repas, je veux dire, il y a juste un rythme. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas pris au dépourvu par le comportement humain, mais il a prévu cela, et il a identifié une voie par laquelle les êtres humains peuvent être pieux. Donc, la vraie question fondamentale, la simple question qui se pose est,
Voulons-nous être pieux? En fait, si vous ne retenez rien d'autre de cette session, je vous remettrai cette idée. Dans quelle mesure avez-vous vraiment l'intention d'être pieux? Je sais que nous voulons aller au paradis. Je veux dire, s'il y a un enfer, qui dans son bon sens voudrait y aller, alors oui, si la question est le paradis ou l'enfer, je choisirai le paradis, mais laissons cela de côté pour une minute, entre ici et là, voulez-vous vraiment être pieux, ou pensez-vous qu'il est plus amusant d'être impie? Vous voulez juste assez de piété pour être sûr de ne pas aller au sud, et je ne parle pas de l'Alabama. Romains chapitre 1, le livre des Romains est l'un des traités théologiques les plus magistraux qui ait jamais été écrit. Et Romains chapitre 1 décrit la progression vers le bas du caractère humain lorsque nous rejetons Dieu, et il commence par deux choix fondamentaux que les humains font. Il dit que bien que nous sachions qu'il y a un Dieu, ce n'est pas dans vos notes, mais c'est dans Romains 1, bien que nous sachions qu'il y a un Dieu, nous refusons de le glorifier et nous refusons de lui rendre grâce. Nous ne donnerons pas à Dieu la gloire qui lui est due. Il n'est pas comme nous. Il dit que les qualités invisibles de Dieu, sa puissance et sa majesté, sont révélées dans sa création. Et je suis perplexe devant l'entêtement avec lequel nous refusons de reconnaître Dieu comme créateur. Il n'y a tout simplement aucune logique dans l'évolution. Que savez-vous qui s'améliore lorsqu'on le laisse tranquille? Le principe fondamental de la physique est que l'énergie est en mouvement. Nous nous détendons, nous passons d'un état d'ordre à un état de désordre. Même la science s'oppose à l'évolution, mais nous étions prêts à l'accepter parce que nous ne voulions pas accepter que s'il y avait un créateur, vous auriez une responsabilité envers lui. Donc, si vous pensez que votre éducation est si brillante qu'elle vous empêche de croire en Dieu comme créateur, commencez à dire doucement, « Seigneur, je suis désolé, aidez-moi. Je comprends le tiraillement. J'ai commencé ma carrière universitaire dans les sciences fondamentales. J'ai suivi de nombreux cours et j'ai entendu de grands mots sur l'évolution. Mais le livre des Romains dit que si vous rejetez le fait que Dieu est le Créateur, vous allez sombrer à partir de là. Et puis, il nous fait marcher, je ne vous ai pas donné toute la partie, mais je vous en ai apporté une partie. Puisqu'ils n'ont pas jugé utile de conserver la connaissance de Dieu, nous ne voulions tout simplement pas nous attarder sur Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé. Soit vous remplirez votre esprit de Dieu, soit votre esprit sera de plus en plus rempli de dépravation. C'est juste une sorte de mot sophistiqué pour l'impiété, faire ce qui ne doit pas être fait. Vous voyez, s'il y a un créateur, il y a des choses qui devraient être faites et des choses qui ne devraient pas être faites, et c'est le problème fondamental, parce que nous sommes une race de rebelles. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise qu'il existe une meilleure voie, qu'il existe une vérité objective. Nous préférons ma vérité, et votre vérité, ici une vérité, il y a des vérités, partout une vérité, la vérité. J'ai observé la corruption de ce système. J'ai vécu assez longtemps pour voir la corruption de ce système. Je me souviens quand la CLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, s'est battue pour la liberté d'expression. Je les ai vus défendre certains des comportements les plus odieux pour défendre le principe de la liberté d'expression dans cette nation. Je les ai vus en cette période où il y a une tentative systématique de censurer la liberté d'expression, et ce groupe de personnes a perdu sa voix. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, mais de pouvoir. Les chrétiens ont été incroyablement naïfs. Il y a une vérité objective. Vous pouvez connaître la vérité. Je dois y aller, allez, arrêtez de me faire sortir du sujet. Verset 29, ils sont remplis de toute espèce de méchanceté. Puis il énumère environ 19 aspects du caractère humain qui se détérioreront si vous rejetez la connaissance de Dieu. Ils sont remplis de toute espèce de méchanceté, de malice, de cupidité, de dépravation. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malice. Ce sont des commérages. Vous avez des commérages dans la même catégorie que le meurtre, l'envie et les querelles. Ne soyez pas un commérage. Ne l'enveloppez pas dans une demande de prière, ce ne sont que des ragots. Ne l'enveloppez pas dans un sentiment, une direction, une incitation. Les calomniateurs, les ennemis de Dieu, les insolents, les arrogants, les vantards, ils inventent des moyens de faire le mal, ils désobéissent à leurs parents, ils sont insensés, sans foi, sans cœur, sans pitié, et bien qu'ils connaissent le décret juste de Dieu, selon lequel ceux qui font de telles choses méritent la mort, non seulement ils continuent à faire ces mêmes choses,
mais ils approuvent aussi ceux qui les pratiquent. Ce qui me surprend le plus dans cette dégradation, cette liste de dégradation, c'est que les gens qui empruntent ce chemin savent que c'est inapproprié, mais ils le choisissent pour eux-mêmes, et ils approuveront ceux qui le feront. Maintenant, nous savons que c'est vrai grâce à notre propre participation à l'observation de l'activité humaine, n'est-ce pas? Si vous devez vous conduire mal, ne voulez-vous pas recruter quelqu'un pour se conduire mal avec vous? Personne ne répondra à cette question à l'église, d'accord. Eh bien, la Bible nous dit que plus nous nous rapprochons de la fin de cet âge, plus nous verrons ce schéma s'intensifier. Il va augmenter, il va prendre de l'ampleur. Il y a un point de basculement quelque part. Cela est dû en partie au fait que les forces spirituelles de la méchanceté seront libérées de manière inhabituelle. Ce sera comme si des barrières étaient abattues, des choses se déchaîneront, nous arrivons à la fin de l'âge. Le royaume des ténèbres le sait dans une certaine mesure, et il y a une intentionnalité et une intensité dans leurs efforts pour détruire l'humanité. Voyez-vous, lorsque vous devenez un disciple de Christ, vous vous engagez automatiquement dans un conflit spirituel. Vous avez un adversaire. Satan déteste Dieu. Il a perdu sa place là-bas. Les êtres humains sont le couronnement de la création de Dieu sur la planète Terre, et l'objectif de Satan est votre destruction. Jésus l'a dit dans Jean 10. Il a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, mais l'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. » Vous souvenez-vous de qui a écrit l'Épître aux Romains? Ce n'est pas une question piège, c'est Paul qui l'a fait. L'Épître aux Romains, il l'a écrite à l'église de Rome. Il a aussi écrit 2 Timothée, il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une pensée commune, un vocabulaire commun et quelques similitudes. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1, Paul dit, « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. » Et maintenant, il y a une liste de 18 ou 19 caractéristiques, et cela rappelle beaucoup la liste de Romains 1, et elle décrit la détérioration du caractère humain. Il me semble que Romains 1 ressemble aux principes théologiques, et 2 Timothée est une description de ce que l'on va ressentir réellement. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, injurieux, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis du plaisir plus qu'amis de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. N'ayez rien à faire avec eux. Cela ressemble beaucoup à la liste de Romains 1, n'est-ce pas? Ce dont je suis conscient, c'est à quelle vitesse nous pouvons perdre une idée. Je n'ai jamais vécu une période où le changement arrivait avec une telle ampleur et à une telle vitesse, c'est désorientant. C'est une période de grande discontinuité, où il y a des ruptures importantes avec les comportements ou les habitudes antérieures. Et ce sont des moments où vous êtes beaucoup plus facilement manipulé ou réaligné, il est donc très important dans les périodes de grande discontinuité et de troubles de comprendre quels sont vos fondements, car il ne faut pas très longtemps pour perdre une idée. Je veux prier avec vous avant de partir, et la prière est vraiment simple. Elle a du sens, mais elle est simple. Que nous abandonnions complètement notre vie à Dieu, sans excuses, sans provision pour notre moi charnel. Prions, Père, nous choisissons de te donner tout notre être, en sacrifice vivant sur ton autel. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons détenu.